Bonjour, je suis Cédric Cyr, auteur de thrillers, et j'ai la joie de vous annoncer que mon 10e roman, La Saignée, est disponible au livre de poche. Je me suis énormément documenté avant d'écrire La Saignée, et y compris durant sa rédaction d'ailleurs, sur tous les sujets que je peux aborder dedans. Mon personnage, Estelle Rochant, est garde du corps, elle travaille dans le milieu de la nuit. Donc je me suis rapproché de personnes dans le milieu de la sécurité, des portiers, des gens du milieu de la nuit aussi, pour pouvoir décrire tous ces milieux le plus justement possible. Il est question d'un romancier à un moment donné. Là, j'ai eu beaucoup moins de recherches à faire, hein, parce que je connais bien le milieu des salons et les milieux littéraires, avec lequel je me suis beaucoup amusé. Et évidemment, le dark web, les enquêtes sur Internet. Et pour le coup, j'ai longuement discuté avec des flics, des investigateurs en cybercriminalité, des formateurs, un programmeur, on peut dire un hacker, qui m'a donné quelques trucs. Et en fait, voilà, tout ce que l'on retrouve dans le roman n'est pas de l'invention personnelle, c'est vraiment tout ce que ces gens m'ont dit, que j'ai digéré, que j'ai remis dans l'histoire pour les besoins d'histoire. Ça reste évidemment du divertissement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe, c'est l'immersion avec les personnages que j'espère on aura envie de suivre pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qu'ils cachent et à quel moment effectivement ils vont basculer.